Noël Tissier m'a invité à venir exposer au CRAC. Je connais le lieu, je connaissais les espaces. Et je concoctais depuis un petit moment une exposition, des installations qui seraient dérivées du film que j'ai fait, Les plages d'Agnès, qui commençait sur la plage de Belgique avec des miroirs. Mais ce thème des miroirs me plaît beaucoup. Et là, si je cherche les matériaux avec lesquels j'ai travaillé, et ça tu peux le voir dans diverses pièces, il y a les miroirs, les vitres, les verres, le découpage, et en plus, un jeu de mots peut-être facile, puisqu'à 7, le brise-lame est un élément important du port, j'ai pensé au brise-lame, j'ai pensé aux lames brisées, aux âmes brisées. Et si tu veux, par un glissement de mots, je me suis mis à penser à tout ce qui était diffracté, réfracté, décomposé, et particulièrement la mer calme. Je suis fascinée par l'eau de mer quand elle est calme, parce qu'elle est calme, mais c'est pas rien. Il y a toujours, fût-ce quelques vaguelettes, ou des vaguelettes un peu plus fortes. Et que quand on dit beau temps, mer calme, ça ne veut pas dire rien. Et j'ai essayé de capter ce petit mouvement du bord de mer. L'installation qui s'appelle « Miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus calme des mers » reflète bien ça. Il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de miroirs, il y a des symétries et des asymétries. Mais au fond, l'eau est toujours assez calme. Mais par le jeu des décompositions, et particulièrement un petit épi qui est fait avec des miroirs qu'on a volontairement incliné de différentes façons, on arrive à une espèce de puzzle de qu'est la mer. Qu'est-ce qu'est la mer calme en mille morceaux? Et c'est au visiteur, au spectateur, de la recomposer. Parce que chacun a, et déjà les gens qui m'ont parlé m'ont dit ça, a une image de la plage. Et au fond, il la reconstitue tout de suite, parce que les gens qui aiment la plage revivent la plage calme tout en voyant tous ces morceaux de plage. Donc, c'est ça le jeu. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites à 7. Parce que je savais que c'était pour ici et j'avais envie de faire des choses ici. Alors, j'ai construit une cabane. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait des cabanes autrefois avec les pêcheurs, c'est que moi j'aime les cabanes. J'en ai reconstitué dans une grande exposition que j'ai faite à la Fondation Cartier qui s'appelait L'Île-Elle. Et là, je voulais faire une petite salle de projection pour montrer ce film tourné sur la plage. Et on a fait une cabane, on a fait une petite salle de projection, mais on l'a couverte comme ces cabanes de plage, avec des tissus, des bouts de matelas, des vieux trucs qu'on a été achetés chez Emmaüs. J'ai repris ce thème qu'on reprend tous, que j'avais déjà fait et que j'aime beaucoup, parce que la cabane, c'est relié à l'enfance, l'endroit où on peut être tout seul ou avec les copains, on s'isole un peu. Il y a l'idée qu'on est chez soi dans la cabane. Et là, je voulais faire montrer ce film local, puisqu'il a été tourné littéralement sur la plage ici. Là où il y a des petites... il y a les trois digues et puis après il y a des petits poteaux. Et tous les gens qui connaissent cette reconnaîtront cet endroit. Et je l'ai tourné comme ça en mettant
un écran de tissu bleu typique sur la plage, de pouvoir remettre dedans les détails des gens qui passent, la mer, des filets, des images de rêve, y compris cette baleine reconstituée en plastique avec une tête de lune en colère, puisque même si le film n'a aucun commentaire, ni aucune musique, cette contemplation, ce délice de voir la plage, y compris avec des impressions anciennes, presque bibliques, quand c'est tout calme, qu'on voit ces pêcheurs, on sait que ça existe depuis le début du monde. Mais quand même, le monde d'aujourd'hui va mal et il y a deux intrusions, il y a deux camps d'arrêt comme ça, où on montre la folie des hommes qui se battent, qui se tuent, la douleur des hommes qui vivent ces violences, des morts, des arrestations, des poursuites, des tanks, des horreurs. Petite arrêt, 45 secondes comme ça d'horreur, et puis on revient à la plage, qui est douce et calme. Et on sait que, d'une certaine façon, ça ne changera pas. Ça n'est pas lié à la folie du monde. Et puis il y a une deuxième incursion du malheur du monde. Ce sont des malheurs naturels, des inondations. Je n'ai pas mis les tremblements de terre, mais hier avant-hier, il y en avait un. Les incendies atroces. Et donc il y a une séquence comme ça, d'autres malheurs qui accablent les gens. Et puis de nouveau, retour à la plage. Donc c'est très simple, c'est en... Voilà, la plage, les malheurs des hommes, les plages, la violence des hommes, les plages, la violence des éléments naturels, les plages. C'est une sorte de recommencement comme les petites vagues qu'on voit au bord de la mer, qui ne sont pas fortes du tout, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Qu'est-ce que les gens verront, entendront, sentiront? Je ne sais pas encore. De même, il y a la grande carte postale, et c'est la seule pièce non inédite que j'expose ici. Je l'avais déjà exposé à Paris, mais c'était toujours dans l'histoire des plages. On sait qu'on vend dans toutes les plages des filles à poil, plus ou moins sur la plage, couchées ou debout. Et donc, j'ai pris une de ces cartes, et puis ma fille a eu la gentillesse de poser pour la figure. Et j'ai pensé que, comme toujours, et c'est un peu la même chose que comme le film sur la plage où je dis que le chaos du monde ressort, m'agresse, moi je sais que souvent à la plage, je regarde les baigneurs, les enfants, tout le monde tirer dans l'eau. Et par moments, je regarde l'eau et je me dis, il y a aussi des marins-pêcheurs qui se noient. Et parce qu'ils en meurent beaucoup quand même, hein, l'air de rien. Je regarde ce bel oiseau, une mouette, un cormoran, je ne sais pas. Et je sais, parce que je l'ai filmé, qu'au moment de la marée noire, c'était une horreur. Il y avait des oiseaux englués de mazout qui ne pouvaient plus voler. Vous l'avez ouvert, ce casier-là? Ils sont tout collés, là. Ils sont tout collés par le mazout. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on regarde le vol magnifique d'un oiseau, sa liberté, quand il reste sur place, comme ça. Je pense au malheur des oiseaux qui est arrivé par quelques marées noires. Et pour le derrière de la fille, pour ne pas dire son cul, j'ai pensé aux toutes les blagues que font les enfants. Et parce que les blagues de cul, les enfants de 9-10 ans, c'est eux qui en parlent le plus. Et d'une façon beaucoup plus drôle qu'après, si j'ose dire. Et c'est vrai que s'ils peuvent se faufiler pour voir une fille qui prend une douche, même si c'est de loin, même si c'est une femme qui n'est pas extraordinaire, ils sont très contents d'aller zioter. Et puis aussi, ils montent leur derrière au feu rouge. Je ne sais pas si vous avez joué à ça les uns et les autres, mais même ma fille, elle jouait avec ses petits copains à une autre blague qui consistait à mettre un caca dans un papier journal et d'aller le déposer devant une maison, de mettre le feu au papier, de sonner, de s'enfuir en courant. Et évidemment, le propriétaire sort, il voit un feu, il l'éteint avec le pied. Voilà. Donc, ces blagues-là, ces blagues de gosses, quand il y a des enfants qui visitent, évidemment, ils se passent le mot, ils aiment beaucoup ouvrir ce petit bouton, puisqu'il y a une console, et ça, c'est la mode de jouer sur des consoles. C'est ma façon de dire en riant, même pour parler des choses qui sont derrière les choses, comme dit Prévert, qu'on peut jouer à ça. Il y a aussi une frise de tongs que j'ai photographiée avec beaucoup de soin, comme des photographies de mode. Même s'il s'agit de tongs qui coûtent 1 ou 2 euros à tout casser. Il y en a peut-être une. J'ai dû faire une folie, il y en a une qui a un peu de talon qui a dû tout coûter 5 euros. Mais c'est un peu pour faire la nique à toutes les photos de mode qui consistent à montrer des habits très chers, des souliers très chers, des t-shirts tout à fait normaux mais qui ont une marque, etc. Et puis parce que les tongs c'est rigolo, parce que c'est pas cher. Et que souliers c'est couture, la chaussure c'est normal, la savate c'est plus courant et la tongue c'est
le degré zéro de ce qu'on met sous les pieds. Et dans la troisième salle, alors, c'est là où j'ai mis le brise-lames, les lames brisées et les portraits. Je pense que ça finit d'une façon beaucoup plus réflexive, beaucoup plus calme, beaucoup moins ludique. Ça trouble un peu, je pense, ces portraits abîmés, cassés, éclatés. Des fois, c'est comme s'ils avaient reçu, la photo avait reçu un coup de revolver avec un impact comme ça. J'ai pensé au mot, ça. Verre, vitre, miroir, impact, brisure, fêlure, voilà. Alors cette idée de fragmentation, on la retrouve avec donc, un aquarium sans eau qui est fait de trois images de brise-lames, qui sont trois plaques lumineuses parce que transparentes. Et dans un petit aquarium pendent des lames de couteau brisées, des lames de rasoir brisées, des lames brisées dans des images de brise-lames. Bon, ça c'est un peu facile, mais c'est aussi dans cette pièce qu'il y a les portraits brisés. Et les portraits brisés sont déclinés de beaucoup de façons. Où j'ai photographié des personnes dans des glaces cassées, derrière des vitres brisées, où moi-même j'ai fait mon portrait en regardant des carreaux de 20 cm, de 10 cm de côté, qui étaient tout fragmentés, ou bien même quelquefois, on les a photographiés avec deux miroirs pour qu'ils soient un peu coupés, mais pas trop coupés. Et enfin, au moment de l'encadrement, hier avec Julia et avec un gars du crack, on a recassé des verres, ceux qui servent de mettre dans les sous-verres, pour recréer de nouveau des éclats de verre. Donc il y a une déclinaison de 7 ou 8 façons de montrer des portraits cassés, fractionnés. Alors, je les ai mis par trio, parce qu'il y a quand même un sens à certains trios, il y en a plus effrayants d'autres, d'autres plus paisibles que d'autres. Il y a des photos faites au 6-6 argentique classique tirées sur papier brumure, classique, à l'ancienne. Il y a des photographies faites comme les photos anciennes, donc des pannes négatives, le vieux couple là. Ou bien il y a des tirages argentiques sur papier, des tirages sur vitre transparente, et on met un papier blanc derrière. Et des tirages sur miroir. Quant aux photos de l'aquarium, elles sont tirées sur pellicule transparente, en quelque sorte diapo géante. Je trouve que c'est amusant dans un monde où la technique se diversifie, de jouer avec cette technique, de s'en amuser, qu'on peut tout faire. Et l'important, c'est qu'il y ait une homogénéité dans le propos de tous ces portraits abîmés, je dirais, ou cassés ou brisés, mais il y a une altération, c'est pas la belle photo bien propre encadrée. Et alors, il y a évidemment deux miroirs au coin qui sont brisés et où les spectateurs, les visiteurs se regardent et eux-mêmes sont tout cassés.